la cabine abandonnée. C'est une cabine téléphonique, mais version Fort Boyard. C'est-à-dire que c'est, comment dire, un endroit où on ne téléphone pas comme d'habitude, mais surtout où on a un correspondant qui peut vous ramener un indice. C'est Aurélie qui va y aller. Aurélie, te sens-tu prête pour cette communication, pas avec l'au-delà, pas sur toi, mais avec le mythe vivant, le père Fouin. Ouais, voilà. Allez, attention, passe-partout. Vas-y, on y va. Oula. Alors, ce que dit le parchemin, décroche le téléphone, le père Fouin en a une bonne qui pourrait te rendre un phone. Allô, allô, allô. 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 Allô, allô. Il faut parler, parler dans le cornet. Aurélie. Hein? Aurélie. Ah oui. Oui, oui, bah oui, oui, bah oui, bah oui. Oui. Ah, juste là, un 12e sonnerie tout de même, ma petite Aurélie. Bah oui, mais... Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Et vous savez qui vous parle au moins? Bah oui. Oui. Le mythe, bon, disons. C'est tout ce que ça vous fait. Alors, ma petite Aurélie, vous êtes là pour tenter de résoudre une énigme. Mm-hmm. Allô? Allô? Attends, allô, allô? Ah, j'entends. Oui. Ça passe très mal le réseau, j'ai l'impression. Oui. Alors vous êtes là pour tenter de résoudre une énigme, ma petite Aurélie. Ouais. Voilà, alors écoutez bien. Voici l'énoncé de l'énigme. Sans lui, pas de culture. Pas de quoi? De culture. Ah, ouais. Bon. Sa clé... Attends, deux secondes, j'arrive. Sa clé... Allô, allô. Oui. Allô. Oui, pardon. Bah alors c'est quoi? Je vois, il y a une interférence. Sa clé n'ouvre... Allô? Oui? Oh là là là, c'est fatigant. Hein. Pardon, pas de culture, oui? Sa clé n'ouvre aucune serrure. Oui? Le gymnaste peut y exceller. Le gymnaste peut y exceller. Et chacun peut le piétiner. Qui est-il? Alors je répète. Vous êtes toujours là, Aurélie? Oui, oui. Aurélie? Oui? Je suis là. Sans lui, pas de culture. Sa clé n'ouvre aucune serrure. Le gymnaste peut y exceller. Chacun peut le piétiner. Qui est-il? Et vous me répondez? Allô? Alors, allô? Sans lui, pas de culture. Allez, le gymnaste une proposition. Allô, allô? Aurélie? Le gymnaste peut y exceller. Écoutez, ma petite Aurélie, c'est trop tard, là. Le saut. C'est trop tard, le temps de communication est terminé. Mais c'était le saut, non? Ah oui, je suis obligé de raccrocher, petite Aurélie. Ah ben, dites-moi, vous avez la vie belle, vous, hein. Merci, on me l'a jamais faite. Eh ben voilà. C'est ça, le saut? Ah ben voilà. Je peux sortir? C'était le sol où l'on cultive plantes et céréales. La clé de sol en solfège. Le sol est un des quatre agrès de gymnastique. Et puis un sol est un plancher sur lequel on marche et piétine. Ben voilà. Bon alors, est-ce qu'elle l'a eu ou est-ce qu'elle l'a pas eu? Tu l'as eu ou pas? Le saut? Ben, je sais pas, je crois que... Il y en a une qui était à raccrocher. Oh, t'en as deux encore. Ah, il y en a deux. T'en as deux? Non. Attends, pègle le parchemin. Merci, t'es gentil. Qui a dit qu'on n'était pas courageux, William et moi? Bien sûr qu'on est courageux. Le saut. C'est pas des petites bêtes qui... Le saut de quoi? Le saut. Oui, mais t'es pas ressorti avec un indice, t'es ressorti avec rien. Et ouais. Oui, c'est moche. C'est dur de se concentrer avec ces bêtes-là. Mais j'imagine. Bon, écoute, sincèrement, tu t'es plutôt bien débrouillé dans la maîtrise que tu as eue des mouches et des blattes. Mmh. Le problème, c'est que tu reviens avec rien. Eh ouais. Ça nous arrange pas trop, ça. Bah non.